Hélène Zakaïb, bonjour. Bonjour. Députée de Richelieu. Oui, et ministre déléguée à la politique industrielle et à la Banque de développement économique du Québec. Vous êtes certainement meilleure que moi pour dire ça sans vous enfarger. Merci de prendre quelques minutes pour nous parler. Ça me fait plaisir. Comment se passe la grande tournée du Québec que vous avez déjà entamée? Vous êtes bien avancée, je crois, déjà. On est pas mal avancée. Ça se passe très bien. En fait, je fais ma 14e région. Je quitte demain pour Baie-Comeau, Sept-Îles. J'ai parcouru le Québec. Il nous reste Montréal à faire. Il reste encore Longueuil, le nord du Québec et Laval. Mais on aura donc complété la tournée pour les fêtes. On est allé présenter la Banque de développement à tous les intervenants économiques dans chacune des régions du Québec. La réception est enthousiaste? C'est très... Il y a des réserves? Comment ça se passe un peu? Les gens sont très enthousiastes. En fait, dans chaque région, je rencontre à la fois les employés parce que c'est important. On va chambouler leur vie. Vous savez qu'on va joindre ensemble les employés du ministère du développement économique, qui s'appelle maintenant ministère des Finances et de l'Économie, et Investissement Québec. Alors, je rencontre les employés. Je rencontre également les élus municipaux, les chambres de commerce, les tables de l'entrepreneuriat dans toutes les régions et quand c'est possible aussi des hommes d'affaires pour voir quelle est la réceptivité face à la Banque de développement et c'est très positif parce qu'on veut faciliter la vie des entrepreneurs. Alors ça, c'est certain que ça leur sourit. J'imagine que votre expérience aux fonds régionaux de la FTQ a dû aider dans cette approche d'ouverture puis dans votre connaissance des régions du Québec également. En fait, oui. À chaque année, je faisais une tournée des régions et mon métier, moi, c'était de développer les régions. Alors là, je le fais à un autre niveau, mais j'ai quand même voulu aller rencontrer les gens pour que la banque se colle le plus possible à leur réalité. Vous nous avez dit un peu, là, la tournée consiste en quoi, les gens que vous avez rencontrés. Pour la Banque de développement puis pour la politique industrielle, c'est quoi les prochaines étapes? En fait, là, on est en train d'écrire le projet de loi. On est en train aussi d'élaborer quelle structure aura la banque. On voudrait trouver une façon de décentraliser un peu les décisions. On pense que le mur à mur au Québec, c'est pas la solution, que chaque région devra avoir une part pour déterminer de son avenir économique. Alors, on est en train de regarder ça. On travaille avec le ministère, les gens du ministère. Et dans le but de déposer à la prochaine session, peut-être vers la fin de la session, le projet de loi pour aller en commission parlementaire à l'hiver et en espérant que la banque sera adoptée au début de 2013. Ça va vite tout ça, les consultations, le projet de loi, vous chômez pas, ça c'est certain. Pas du tout. On aime ça comme ça. Merci beaucoup. Merci madame. Bonne continuation. Merci beaucoup. Au revoir.